Bonsoir à tous et merci d'être là. Et donc, je vous remercie pour votre invitation. Cyril l'a rappelé, ce n'est pas la première fois que je viens à l'EPFL, c'est toujours un grand plaisir pour moi. Donc, je suis biologiste et je m'intéresse depuis de très nombreuses années au comportement collectif qu'on observe dans les sociétés animales, pas uniquement les insectes sociaux, les bancs de poissons, les vols d'oiseaux, les déplacements de troupeaux et aussi certains comportements collectifs chez l'homme. Et ce qui nous intéresse avec mon équipe, c'est de comprendre comment les individus qui composent ces groupes et ces sociétés coordonnent leur comportement pour réaliser tout un ensemble de tâches assez complexes, comme par exemple la recherche de nourriture, la construction d'un nid, la défense de la colonie, ou plus simplement les déplacements en groupe. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler plus particulièrement des mécanismes qui sont utilisés par les insectes sociaux pour construire leur nid. Et donc le lien est assez direct, bien sûr, avec l'architecture et les problématiques qui vous concernent, d'autant plus qu'il existe depuis quelques années différents travaux en architecture qui s'inspirent plus ou moins directement des insectes sociaux et de la manière dont ces créatures construisent leur nid, soit pour créer des bâtiments comme ici, donc qui utilisent des principes de climatisation naturelle, qu'on trouve par exemple dans certaines termitières. Je pense au travail donc, de Mick Pierce à l'Eastgate Center d'Harare, soit pour explorer de nouvelles formes de conception architecturale à partir d'essaims artificiels dont les règles de comportement miment plus ou moins celles des insectes. Et on commence à trouver là aussi dans ce domaine aujourd'hui pas mal de publications sur ces thématiques. Et comme Cyril l'a rappelé, j'ai organisé moi-même un workshop sur ces questions en 2009 qui a rassemblé des biologistes, des physiciens et des architectes. Et comme vous l'avez rappelé, on est vite tombé sur des querelles finalement d'ego assez importantes qui ont fait que malheureusement tout ce travail on avait prévu de faire un livre sur ces issues de ce workshop et malheureusement le livre pour le moment il est encore dans les cartons parce que on se trouve confronté à des querelles de courants architecturaux. Alors pour moi c'est très 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 éloigné, je pense surtout en termes de coopération. Je me suis aperçu que dans ce domaine il y avait effectivement des égos assez surdimensionnés qui font que pour le moment on n'a pas encore réussi à sortir cet ouvrage. Alors donc depuis une bonne vingtaine d'années, plusieurs équipes ont étudié ces comportements collectifs de construction chez les insectes sociaux et on commence maintenant à disposer de plusieurs modèles qui nous permet de décrire assez précisément les processus qui sont impliqués dans la morphogenèse de ces structures et d'en étudier leurs principales propriétés. Et donc je vais essayer de vous illustrer ce soir à travers quelques exemples les principales familles de mécanismes qui sont impliqués dans la construction de ces nids et on verra aussi comment ces mécanismes peuvent se combiner pour enrichir le registre des formes qui peuvent être construits par les insectes collectivement. Alors tout d'abord un petit rappel de biologie sur ces insectes qui vivent en société. Bon, vous les connaissez tous plus ou moins. Il s'agit essentiellement des fourmis et des termites, également de certaines espèces d'abeilles et de guêpes. Il existe environ 20 000 espèces d'abeilles et plus de 100 000 espèces de guêpes, mais seul un tout petit nombre de ces espèces sont sociales. Comme vous le voyez, toutes les autres sont solitaires, alors qu'au contraire, toutes les espèces de fourmis et les 2000 espèces de termites qui sont actuellement décrites sont sociales. Et ces insectes sociaux, ils possèdent trois caractéristiques essentielles. Tout d'abord, les individus d'une même colonie coopèrent à l'élevage des jeunes. Ensuite, il existe une division du travail et une spécialisation des rôles, notamment celui qui est lié à la reproduction avec quelques individus. Un ou quelques individus qui pondent des œufs, qui remplissent cette fonction, et d'autres individus plus ou moins stériles, qu'on appelle ouvrières, qui vont s'occuper de toutes les autres tâches de la colonie, du soin au couvain, de la construction du nid, donc de la défense de la société, de la récolte de nourriture. Et troisième caractéristique, il y a chez ces espèces un chevauchement entre les générations, ce qui fait que les enfants vont pouvoir aider leurs parents et contribuer avec eux au développement de la colonie.
Et ces sociétés que forment ces insectes, eh bien, ce sont tout d'abord des systèmes complexes qui sont constitués pour la plupart d'un très grand nombre d'individus, qui peut atteindre chez certaines espèces plusieurs millions. Ces individus interagissent les uns avec les autres, produisent des comportements collectifs qui peuvent être assez sophistiqués. Et ce qui a longtemps fasciné les naturalistes, puisque tout se passe en fait comme si chaque colonie se comportait comme un seul et même organisme, et on parle parfois même de super-organismes quand on parle de ces insectes sociaux. Et ces systèmes sont particulièrement intéressants, c'est aussi pour ça que je me suis intéressé après mes études de neurosciences, parce qu'on peut observer et analyser simultanément ce qui se passe à ces deux échelles, à l'échelle de l'individu et à l'échelle de la société, de manière relativement simple. Et on peut, comme ça, aller étudier directement comment apparaissent, à partir de l'étude des interactions entre individus, comment apparaissent les propriétés qu'on voit émerger à l'échelle de la société. Et en particulier donc la capacité de ces insectes de développer une forme d'intelligence collective, c'est-à-dire que les individus qui composent ces sociétés sont capables de traiter collectivement de l'information et de coordonner leurs actions pour réaliser tout un ensemble pour résoudre tout un ensemble de problèmes assez complexes auxquels ils sont confrontés, des problèmes qu'aucun insecte ne peut résoudre tout seul, d'où l'expression d'intelligence collective. Donc le tout dans ces systèmes est clairement supérieur à la somme des parties. Et donc tout notre travail consiste à aller décrypter ces interactions pour comprendre comment émergent les propriétés donc, qu'on voit apparaître à l'échelle de la colonie, et notamment donc, l'architecture des nids qui sont construits par ces insectes. Une des manifestations les plus spectaculaires de cette intelligence collective, c'est la capacité qu'ont certaines sociétés d'insectes de construire des nids dont la taille peut être extrêmement élevée par rapport à celle des individus, notamment chez les termites. Et également, on va voir, ces sociétés peuvent également construire des nids qui vont être d'une extraordinaire complexité architecturale. Vous voyez ici l'organisation interne de ces nids, donc ici chez les macrothermès. L'intérieur des nids est irrigué par un vaste réseau de conduits de ventilation qui permettent de climatiser la structure. Et le nid lui-même est constitué, vous voyez, d'un ensemble de chambres dans lesquelles les fourmis donc élèvent et cultivent un champignon qui est en fait une source, la principale source d'alimentation dans ces sociétés. Et ces chambres sont connectées les unes avec les autres pour constituer des réseaux de communication très efficaces et qui permettent également de lutter contre l'envahissement de certains insectes prédateurs. Et donc vous voyez, ces images, je trouve, illustrent parfaitement la différence d'échelle qui existe entre les insectes et les structures qu'ils construisent. Alors parfois, les constructions des insectes ne sont pas directement visibles à l'œil nu. C'est le cas des nids et des réseaux de galeries souterraines qui sont construits par la grande majorité des espèces de fourmis. Vous avez ici par exemple une espèce qui vit en Floride et dont on remarque simplement la présence sur le sol par ces petits cratères d'éjection qui indiquent l'entrée du nid. Et cette entrée débouche sur une structure qui est profonde de plus de 3 mètres, qui est large à environ 1,50 m, et qu'on peut matérialiser soit avec d'un plâtre spécial, soit avec de l'aluminium fondu. Et donc une fois excavé, ce sont des fourmis qui construisent leur nid dans du terrain sableux, ce qui fait qu'on peut vraiment aller ensuite excaver la structure. Donc une fois qu'on excave la structure, on peut visualiser cette architecture souterraine qui, vous voyez, est constituée d'un ensemble de chambres interconnectées les unes avec les autres par un réseau de galeries plus ou moins complexe. Et donc ces moulages que vous voyez ici ont été réalisés par Walter Tinkle, qui est un professeur à l'université de Floride, et qui s'est spécialisé ces dernières années dans l'étude de ces structures souterraines chez différentes espèces, et notamment chez la fourmi de feu, Solenopsis invicta, qui a envahi tout le sud des États-Unis. Vous avez ici le type de structure, le type de nid qui est construit. Là, donc c'est un moulage en aluminium qui est construit par cette espèce. Donc si vous allez sur Internet, vous allez trouver beaucoup de publications relativement intéressantes, faciles d'accès si vous vous intéressez à ce type de structure.
Alors, chez d'autres espèces de termites, on atteint même parfois des sommets dans la complexité et le raffinement des architectures. Vous avez ici un nid qui est construit par une espèce qui vit en Afrique centrale, qui ressemble extérieurement un petit peu à une petite poterie. Il s'agit d'une des structures les plus complexes construites par une société animale. Ces nids donc, sont construits sous terre, environ 30 à 60 cm de profondeur. Et vous voyez, ils le présentent sur leur surface externe, toute une série de microstructures qui ressemblent un petit peu à des gargouilles. Ces microstructures, en fait, ce sont des sortes de pores et ils débouchent sur des canaux circulaires qui sont à l'intérieur de la coque du nid. Et ils interviennent vraisemblablement dans la régulation des échanges de gaz carbonique et d'oxygène avec le milieu extérieur. Et donc ça, c'est une structure que vous voyez ici. Alors ce qui est extrêmement intéressant, c'est l'organisation interne du nid. Ce que vous voyez ici, c'est une tomographie à rayon X du même nid. On a réalisé une coupe de manière à visualiser l'intérieur du nid, qui est constitué, comme vous voyez, d'une série de chambres régulièrement espacées, qui sont délimitées ici par des petites cloisons qui font à peu près un millimètre d'épaisseur. Et ces différentes chambres sont reliées entre elles par des structures que vous voyez ici, qui sont en fait des sortes de rampes hélicoïdales qui, pour certaines, parcourent l'ensemble de la structure, ce qui fait que des chambres finalement très éloignées peuvent se trouver directement connectées par ces structures. Et au niveau de ces rampes, on va observer une torsion de la surface du sol, ce qui permet aux termites de se déplacer très facilement d'un étage à l'autre. Et à chaque étage, on trouve plusieurs de ces rampes, ce qui crée différentes voies de passage donc pour accéder aux différents niveaux du nid. Alors il faut bien se rendre compte que ces structures sont quand même construites par des insectes qui font moins d'un millimètre de long et qui sont complètement aveugles. Et aujourd'hui, on n'a pratiquement aucune information sur la manière dont ces architectures sont construites. Alors, voici un autre exemple de nid, cette fois, qui est construit sur le sol, non plus sous terre, par une espèce de termite commune qui est appelée Cubitermes, qui vit en forêt équatoriale. Le nid a la forme d'une colonne, à l'intérieur de laquelle on trouve un grand nombre de chambres de forme ovoïde, et qui sont connectées entre elles, vous le voyez ici, par ces petits tunnels. Chacun de ces nids abrite, pour vous donner une estimation, une population d'environ 6 à 8 000 individus. Et il existe également beaucoup d'autres espèces chez lesquelles il est beaucoup plus difficile de distinguer des chambres et des galeries. Dans ce cas, le nid, vous voyez, ressemble un petit peu à une éponge. Mais quand on étudie l'organisation à grande échelle de ces structures, eh bien, on constate qu'elle n'est pas du tout aléatoire. C'est ce qu'on a réalisé ces dernières années. On a développé toute une série de techniques qui nous ont permis de cartographier le réseau de connectivité dans ces nids. Et on a pu montrer, au moins chez certains d'entre eux, qu'il existait un petit nombre de grandes voies de communication que vous voyez ici, qui parcourent toute la structure et sur lesquelles viennent se greffer des groupes de chambres qui sont organisées de manière arborescente. Donc on a un petit peu ce type de schéma. Donc vous avez ici le réseau de connectivité, le réseau de communication au sein de cette structure. Alors c'est un réseau qu'on a déplié sur le plan. Il faut imaginer bien sûr qu'il est donc inclus dans la structure 3D. Vous voyez apparaître donc ces grandes voies de communication en jaune et ces groupes de chambres. Ici chaque petit point c'est une chambre. Hein, ces groupes de chambres qui sont organisés comme ça en arbres qui viennent se greffer sur ces grandes voies de communication. Alors, on a pu montrer également en étudiant ces réseaux que ils étaient beaucoup plus efficaces que des réseaux aléatoires qui possèdent exactement les mêmes contraintes spatiales mais dans lesquelles les chambres seraient connectées de manière complètement aléatoire. Donc, et on pense que cette structure topologique particulière du réseau de communication pourrait favoriser la protection du nid contre des attaques de prédateurs. Donc tout ça pour vous dire que, clairement, il existe une organisation à grande échelle dans ces structures, dans ces nids, qui est loin d'être triviale. Et la question qu'on se pose, bien sûr, c'est de savoir quels sont les processus qui sont impliqués
dans la construction de ces structures, quelles sont les règles de construction qui sont utilisées par les insectes pour pouvoir construire ces nids, et quels sont les mécanismes qui permettent aux insectes de coordonner leurs actions. Alors, pendant très longtemps, on a voulu voir ces sociétés d'insectes comme une sorte de modèle réduit de nos propres sociétés. Et donc, les premières hypothèses qui ont été avancées pour expliquer ces performances ont clairement mis avant l'existence d'une certaine forme d'intelligence individuelle. En d'autres termes, on pensait que la capacité de ces sociétés à construire des architectures et à résoudre tout un ensemble de problèmes trouvait son origine dans la capacité des individus à centraliser l'information et ensuite à construire une représentation sur la base donc de ces informations ou de leur environnement ou des données du problème auquel donc ces insectes étaient confrontés. Donc quelque chose qui, dans son principe, est très similaire à l'intelligence humaine. On imaginait en particulier que la reine jouait un rôle clé dans l'organisation de ses activités, en centralisant toutes les informations en provenance de sa colonie, puis ensuite en décidant sur la base de ces informations qu'est-ce qui devait être fait, donc en dirigeant les activités des ouvrières en fonction des besoins spécifiques. Donc le schéma qui a longtemps prédominé, on va dire jusqu'au milieu des années 80, c'est celui d'une organisation hiérarchique très centralisée, avec donc au sommet de la reine et puis au bas de l'échelle, les ouvrières qui exécutent les ordres donnés par la reine. En fait, toutes les études qui ont été réalisées au cours des 40 dernières années ont complètement changé cette vision des choses, en montrant que ces sociétés étaient régies par un mode d'organisation complètement différent. On sait maintenant que ces insectes ne possèdent aucune représentation, ni aucun plan des structures qu'ils réalisent, en particulier donc ils n'ont pas de plan dans leur tête. Leur système cognitif, leur petit cerveau qui comprend environ 100 000 neurones, n'est pas suffisamment puissant pour permettre à un seul individu d'intégrer toutes les informations sur l'état de la colonie à un instant donné, puis ensuite à partir de ces informations, d'assurer la répartition des rôles et la bonne marge de la société. Donc il n'y a pas de chef d'orchestre dans ces sociétés. Dans ces colonies, généralement, chaque individu n'a accès qu'à une information extrêmement limitée, extrêmement partielle sur ce qui se passe dans son environnement, et donc à aucun moment il n'a de connaissance dans sa globalité de ce qu'il est en train de réaliser avec les autres membres de sa colonie. Et ensuite, chaque insecte suit un ensemble de règles de comportement relativement simples et aussi peu nombreuses. Le répertoire comportemental des insectes, c'est-à-dire l'ensemble des règles de comportement élémentaires différents que chaque insecte peut réaliser, est relativement limité. Pour vous donner une petite idée, chez les fourmis, par exemple, chaque insecte ne peut réaliser au grand maximum qu'une petite vingtaine de comportements différents. Et le fonctionnement de ces sociétés, il repose en grande partie sur des réseaux complexes d'interactions qui vont permettre aux insectes d'échanger de l'information, d'organiser leurs actions en réponse à ces informations et de coordonner leurs activités. Et on peut aujourd'hui, grâce à certaines technologies, notamment donc des micropuces RFID, avoir une idée assez précise de ces réseaux d'interaction, donc en équipant donc chaque individu d'une colonie par de petits RFID, donc on leur colle sur leur dos, et ça va nous permettre, comme ça, d'avoir une idée assez précise de savoir qui interagit avec qui et comment le réseau de communication va évoluer au cours du temps, et en particulier, qu'est-ce qui se passe quand on va enlever la reine ou on va enlever certains individus dans la colonie. On peut comme ça analyser comment l'information va se propager et le type de structure, le type d'organisation qu'on va voir en réponse à ces perturbations. Alors donc, quels sont ces mécanismes qui permettent aux insectes sociaux de coordonner leurs activités? Eh bien, la première explication un peu sérieuse a été avancée à la fin des années 50 par Pierre-Paul Grasset, qui a introduit à cette époque le concept de stigmergie. Pierre-Paul Grasset, c'est un zoologiste français assez célèbre qui a rédigé un monumental traité de zoologie.
et il a passé une bonne partie de sa vie à étudier la biologie des termites, et il a étudié en particulier comment s'effectuait la construction du nid chez certaines espèces, et il a découvert que les termites ne contrôlaient pas directement leur activité bâtisseuse, mais qu'ils étaient en quelque sorte guidés par le produit, par le résultat de leurs activités antérieures. C'est-à-dire que les insectes vont coordonner leurs activités au moyen d'interactions indirectes, et c'est ce mécanisme qu'il a appelé stigmergie, qu'il a construit à partir des mots grecs stigma, qui signifie piqûre, et ergon, qui signifie travail. Donc en gros, je suis stimulé par le résultat de mon activité passée. Alors comment ça fonctionne, cette stigmergie ? Eh bien, c'est essentiellement un processus de type stimulus-réponse, c'est-à-dire que les traces qui vont être laissées sur le sol par un insecte quand il se déplace, par exemple les traces de phéromones ou les ébauches de construction qui vont résulter de son activité passée, tous ces éléments vont constituer des sources de stimulation qui vont déclencher des comportements spécifiques chez les autres insectes de la colonie. Alors ce qui va se passer, c'est qu'en réponse à ces stimulus, l'insecte va donc réagir et va modifier le stimulus qui a déclenché son comportement, ce qui va conduire à la formation d'un nouveau stimulus qui lui-même va déclencher de nouveaux comportements. Et à leur tour, ces comportements vont avoir pour effet de transformer le stimulus et ainsi de suite. Et ce processus peut conduire, sous certaines conditions, à une coordination de l'activité des insectes, tout en donnant l'illusion que la colonie suit dans son ensemble un plan prédéfini. Et donc, pour comprendre comment les insectes d'une colonie construisent un nid, eh bien, on doit identifier et caractériser toutes ces boucles stimulus-réponse, puisqu'elles vont jouer un rôle clé dans la croissance et la forme des nids. Alors, on va voir maintenant quelques exemples très concrets de processus stigmergiques. Alors, ces processus sont notamment impliqués dans la construction du nid chez les guêpes sociales. Chez ces espèces, la grande majorité des nids sont construits à partir de fibres de bois mâchées, qui sont ensuite mélangées avec des sécrétions salivaires, ce qui permet aux guêpes de construire une sorte de petite boulette de carton. Et cette boulette va ensuite être modelée pour construire les différentes parties du nid, le pédicelle, les rayons de cellules et l'enveloppe quand il y en a une. Et au laboratoire, pour étudier ces phénomènes, on n'utilise pas du bois, mais simplement du buvard coloré comme matériel de construction. Et en changeant régulièrement la couleur du buvard, eh bien, on peut suivre les différentes étapes de la construction du nid et étudier très précisément les comportements individuels et en particulier comment s'opère le choix des sites de construction, c'est-à-dire qu'est-ce qui va déterminer une guêpe à construire à tel endroit plutôt qu'à tel autre. Alors, par exemple, chez les guêpes polistes qui vivent dans le sud de la France et qu'on a pas mal étudié dans mon équipe, le processus de construction débute par la formation d'un petit pédicelle qui est une attache qui va permettre de relier le nid au substrat externe, à la branche. Ensuite, une première cellule est construite dans le prolongement de ce pédicelle. Et puis, au fur et à mesure de la construction, le nombre de sites potentiels au niveau desquels une nouvelle cellule peut être construite augmente. Et à partir de ce moment-là, eh bien, plusieurs activités vont pouvoir être accomplies parallèlement, ce qui fait que plusieurs guêpes vont pouvoir construire en même temps sur le même nid, de sorte que la construction ne suit plus une séquence a priori bien définie. Et ce qu'on observe à ce moment-là, c'est que l'organisation de la construction s'opère de manière complètement distribuée et l'activité bâtisseuse des guêpes est en quelque sorte dictée par les configurations spatiales de cellules qu'elles vont pouvoir détecter au moyen de leurs antennes. Donc c'est donc l'architecture elle-même qui guide et qui va coordonner progressivement l'activité de construction des guêpes. Et donc du coup, chaque guêpe va pouvoir travailler dans son coin sans se soucier de ce que font les autres au même moment ailleurs sur le nid. Et donc pour déterminer à quel endroit elles doivent construire une nouvelle cellule, eh bien, les guêpes vont utiliser des informations. Ces informations vont leur être données par l'agencement local des cellules déjà construites. Par exemple, sur ce petit nid, on peut voir qu'il existe 12 sites potentiels au niveau desquels les guêpes peuvent construire une nouvelle cellule. Mais tous ces sites ne sont pas équivalents. Vous voyez, 7 sites possèdent une seule cloison adjacente avec la future cellule, qui sera commune avec la future cellule. 4 autres sites ont 2 cloisons adjacentes. Et puis, ici, dans le dernier site, vous voyez,
le dernier site a trois cloisons adjacentes avec la future cellule. Alors quand on fait des statistiques, quand on regarde un petit peu comment s'opère la construction, eh bien on s'aperçoit que tous ces sites ne sont pas choisis de la même manière par les guêpes. Ce qu'on observe, c'est qu'elles préfèrent construire une nouvelle cellule au niveau des sites qui possèdent le plus grand nombre de cloisons adjacentes. Vous voyez que plus le nombre de cloisons adjacentes est important, plus la probabilité de construire une nouvelle cellule, ici en jaune au niveau du site, est élevée. Alors pour étudier ensuite les conséquences de l'application de ces règles de construction locale sur la croissance et la forme du nid, on a construit dans les années 90 avec Eric Bonabo un modèle assez simple dans lequel les guêpes sont représentées sous la forme d'agents dont le comportement est en quelque sorte calqué sur celui des guêpes naturelles. Chacune de ces guêpes virtuelles n'a qu'une perception, Chacune de ces guêpes virtuelles ici n'a qu'une perception très locale de son environnement, comme les vraies guêpes. Elles ne peuvent percevoir que les 20 cellules qui entourent la cellule qu'elles occupent à un instant donné. Et bien sûr, elles ne possèdent aucune représentation, aucun plan du nid qu'elles sont en train de construire. Ces guêpes, en fait, suivent simplement un jeu de règles de construction qui leur sont communes, un peu comme un jeu de Lego. Et au cours de leur déplacement sur le nid, elles vont donc percevoir des configurations de cellules déjà construites, et certaines de ces configurations vont déclencher la construction d'une nouvelle cellule à l'endroit qui est occupé par la guêpe. Vous avez ici une représentation de l'ensemble des règles de construction qui interviennent dans la construction du nid, donc chez les polistes. Alors ce que l'observation nous a également montré, c'est que chaque guêpe n'exécute pas systématiquement ces règles de construction lorsqu'elle se retrouve, lorsqu'elle détecte les configurations de cellules qui stimulent la construction. Il y a une part de hasard et on peut utiliser dans le modèle informatique les valeurs de probabilité qu'on a mesurées expérimentalement et qui sont associées à chacune de ces configurations. Par exemple, quand une guêpe perçoit cette configuration ici, elle ne construit une nouvelle cellule que dans 5 cas sur 100. Alors, la simulation du modèle nous permet ensuite de vérifier que ces règles reproduisent effectivement la forme compacte et circulaire des nids de polistes. Vous voyez ici que les règles de construction conduisent à la formation d'un plateau de cellules qui se développe de manière plus ou moins homogène à partir du pédicelle central. Par contre, quand on change les valeurs de probabilité qui sont associées à chacune des configurations de cellules qui stimulent la construction, on voit que les structures qu'on obtient sont beaucoup plus irrégulières avec de nombreux lobes. Ce sont des structures qui ressemblent aux nids qui sont construits par d'autres espèces de polistes qui vivent dans le sud-est asiatique. Donc on voit que ces mécanismes permettent de construire des architectures qui peuvent nous apparaître très très différentes, sauf que les guêpes utilisent pourtant les mêmes jeux de règles de construction, simplement les probabilités d'exécution de ces règles locales sont différentes. Et cette économie de codage qui nous permet de passer très facilement d'une forme à une autre, c'est une propriété qu'on va retrouver également associée à tout un ensemble d'autres comportements collectifs chez les insectes sociaux. Alors ensuite, on peut pousser un peu plus loin l'exploration de ces processus stigmergiques. En particulier, on peut se poser la question de savoir si des règles de construction qui seraient basées exactement sur le même principe, est-ce qu'elles seraient capables de reproduire toute la diversité des architectures de nids qui sont construites par les guêpes sociales, sachant qu'il existe environ une soixantaine de types architecturaux différents dans la nature, chez les guêpes sociales. Et ce qu'on a trouvé en essayant de répondre à ces questions, est assez surprenant. D'une part, on a découvert que l'utilisation de ces comportements stigmergiques pour construire un nid contraignait assez fortement l'espace des formes d'architecture. Ça signifie qu'il existe un nombre assez limité de règles avec lesquelles il est possible de construire des nids qui conservent la même forme, les mêmes propriétés structurales quand on répète un grand nombre de fois les simulations avec le même jeu de règles. Et d'autre part, on a trouvé que parmi les architectures stables, certaines ressemblaient très fortement à celles construites par les différentes espèces de guêpes sociales. Alors bien évidemment, ça ne veut pas dire
automatiquement que les autres espèces de guêpes utilisent exactement les mêmes jeux de règles que celles qui permettent dans le modèle de reproduire leur nid. Ça veut simplement dire que ce modèle, même s'il simplifie très fortement les processus qui interviennent dans la construction, eh bien, il est suffisamment puissant pour reproduire déjà toute la diversité des formes de nids qu'on observe dans la nature à partir donc de ces constructions stigmergiques. Alors vous avez ici quelques exemples de types d'architecture qui peuvent être construites en utilisant ces règles de construction stigmergique. On peut obtenir des nids qui sont constitués de plateaux de cellules construits verticalement. Ici, vous avez des plateaux de cellules qui peuvent être reliés par un axe vertical ou connectés les uns avec les autres par un ensemble de pédicelles indépendants. Vous reconnaissez ici le type de nid construit par le frelon. Et certaines architectures sont beaucoup plus complexes et possèdent une structure de type modulaire. Le premier module est construit d'un plateau de cellules qui est recouvert d'une enveloppe dans laquelle il y a un orifice d'entrée. Et le second plateau de cellules est construit directement sur la face externe du premier module. Et les modules suivants sont ajoutés de la même manière. Et la structure résultante, c'est une succession de plateaux, que vous voyez ici, de cellules qui sont régulièrement espacées dans un cylindre. Et l'ensemble de la structure est traversé par un couloir de communication centrale qui permet aux guêpes d'accéder aux différents niveaux du nid. Alors, ce que ces exemples nous montrent, c'est qu'en utilisant des règles de construction, somme toute assez rudimentaires, vous voyez, un groupe d'insectes va être capable déjà de coordonner ses activités et de construire des nids qui peuvent nous apparaître relativement sophistiqués. Alors, ces processus stigmergiques sont également impliqués dans de très nombreux autres comportements collectifs chez les insectes sociaux. Ils interviennent en particulier dans la formation, dans le recrutement, la formation de pistes d'exploration chez les fourmis. Mais les signaux qui sont utilisés par les fourmis sont de nature très très différente de ceux qui étaient utilisés par les guêpes pour construire leur nid, puisqu'il s'agit de signaux chimiques. Et cette petite différence dans la nature du signal utilisé par les fourmis pour communiquer et coordonner leurs activités va avoir des conséquences assez importantes sur les propriétés des phénomènes collectifs qu'on va voir émerger à partir de ces interactions. Ces interactions vont en effet produire des phénomènes d'amplification et elles vont conduire à une autre famille de processus qu'on appelle les processus d'auto-organisation et qui gouvernent un très grand nombre de comportements collectifs dans les sociétés animales, depuis les colonies de bactéries jusqu'aux vertébrés supérieurs, y compris l'homme d'ailleurs. Alors ces processus d'auto-organisation, ils reposent essentiellement sur deux ingrédients de base, des feedbacks positifs et des feedbacks négatifs. C'est assez simple dans le principe. Les feedbacks positifs vont permettre l'amplification de l'information et l'émergence de structures. Comme vous voyez ici, ce sont des pistes qui se forment spontanément quand des fourmis d'Argentine explorent une arène vierge. Ces fourmis déposent tout au long de leur trajet des traces chimiques qu'on appelle phéromones qui vont pouvoir être détectées et suivies par les congénères. Et celles-ci vont également laisser leurs propres traces sur les zones qu'elles visitaient. Au cours du temps, vous voyez que tout le trafic va s'organiser sur les zones les plus denses en phéromones et conduire à la formation de réseaux de pistes. Donc ces feedbacks positifs ici résultent directement du comportement de dépôt et de suivi de phéromones à l'échelle individuelle. Quant au feedback négatif, c'est l'autre ingrédient qui va permettre de stabiliser les structures produites. Et ces feedbacks négatifs, ils résultent généralement de pures contraintes physiques, comme ici par exemple l'évaporation de la phéromone, et ils ne sont donc pas codés dans les règles de comportement des insectes, contrairement au feedback positif. Et c'est principalement grâce à ces processus d'auto-organisation que les insectes sociaux ont pu développer une forme d'intelligence collective donc, qui est construite à partir de comportements extrêmement simples. Et ces processus vont permettre à une colonie d'abord de prendre des décisions collectives quand ils sont confrontés à des choix. Ils jouent également un rôle très très important dans la régulation des tâches en déterminant qui fait quoi et à quel moment. Et ils sont également impliqués dans la construction des nids chez les termites et chez les fourmis. On retrouve notamment ces processus
dans la construction de réseaux de galeries souterraines. On l'a vu, ces réseaux donc, de galeries constituent l'ossature du nid chez de très nombreuses espèces, comme ici par exemple chez Messor sancta, c'est une fourmi qui vit sur les pourtours de la Méditerranée, qu'on a aussi pas mal étudié dans mon équipe. Et là, le creusement des galeries résulte du marquage chimique du front de taille que vous voyez ici, qui stimule l'activité de creusement. Et ce signal chimique va également permettre de focaliser l'activité de creusement sur un tout petit nombre de sites à partir desquels, vous voyez, se forment ces galeries. Mais on va retrouver aussi ces processus dans les activités de construction proprement dit, à partir de l'empilement et d'assemblage de boulettes de terre. Vous avez ici un nid qui est construit par une espèce qui est la fourmi des jardins, là aussi qu'on retrouve dispersée dans toute l'Europe. Elle s'appelle l'Asius niger. Les colonies de cette espèce, c'est environ 5 à 10 000 individus. Et comme vous pouvez le voir ici sur cette tomographie, bien la structure interne du nid ressemble un petit peu à celle d'une éponge, avec un grand nombre de chambres en forme de bulles qui sont étroitement imbriquées les unes dans les autres. Alors, ce qu'on peut également noter dans les parties centrales du nid, c'est la présence d'une organisation des chambres ici selon des plans parallèles et superposés, avec également des connexions entre les différentes chambres qui rappellent celles qu'on avait déjà rencontrées chez certaines espèces de termites, avec une continuité des cloisons entre deux étages successifs. Mais vous voyez ici la régularité de la structure est beaucoup moins marquée que ce qu'on avait observé chez les termites. Alors ces nids sont construits à partir de l'agrégation de boulettes de terre et on a pu étudier en détail ces comportements de construction avec un dispositif assez simple. Oui, une des raisons aussi pour lesquelles j'ai basculé des neurosciences vers le comportement, c'est qu'on peut travailler finalement avec des bouts de ficelle et la masse d'argent nécessaire pour faire ce genre d'expérience est relativement réduite. Donc, mais quand même, ça peut nous apprendre pas mal de choses. Donc, on a pu donc étudier en détail ces comportements de construction. Donc avec un dispositif assez simple, c'est une boîte de pétri dans laquelle on met une couche de sable humidifié, on s'arrange pour que le sable reste humide durant toute la durée de l'expérience, à peu près une semaine, et on éclaire en permanence le dispositif, ce qui va stimuler très fortement l'activité de construction des fourmis qui vont commencer à se construire un abri pour se protéger de la lumière. Et si on s'arrange bien, eh bien on peut stopper le processus de construction, simplement donc en contrôlant la quantité de terre disponible aux fourmis. Et donc on peut stopper comme ça le processus de construction juste après les toutes premières étapes de la construction qui conduisent, comme vous voyez ici, à la formation de piliers et de murs régulièrement espacés. Et ce qu'on a pu mettre en évidence, c'est là aussi l'existence d'un feedback positif dans la formation de ces structures. Les fourmis ont tendance à déposer du matériel de construction dans les zones au niveau desquelles elles ont déjà déposé du matériel. Mais les fourmis ici ajoutent également une phéromone aux boulettes de terre qu'elles confectionnent, ce qui a pour effet de stimuler le comportement de dépôt. Et donc plus la quantité de phéromones qui est présente dans les boulettes déjà déposées est importante, et bien plus elles vont être incitées à déposer de nouvelles boulettes au même endroit. Par contre, cette phéromone de construction n'a pas d'effet sur le prélèvement de boulettes qui, lui, demeure constant, quelle que soit la densité du marquage. Donc les fourmis commencent à empiler des boulettes, elles font rapidement des petits piliers, et ce que l'expérience nous a également montré, c'est que les fourmis construisent ensuite des extensions latérales dès que les piliers atteignent une certaine hauteur, et on peut ensuite, là encore, faire des expériences low cost, avec des petits piliers artificiels, et on peut ensuite aller mesurer très précisément la hauteur à partir de laquelle elles vont déposer leur boulette. Et pour déterminer, c'est justement précisément cette hauteur, eh bien, elles vont utiliser tout simplement la longueur de leur corps comme une sorte de gabarit, comme une sorte de mesure qui va leur dire « bon ben là, vous cessez d'empiler verticalement et vous commencez à construire des extensions
latérales, extensions qui vont progressivement s'étendre et réaliser l'ébauche d'un toit. Alors ensuite, on a pu modéliser ces processus de construction. Je ne rentre pas dans le détail, c'est un travail assez lourd et assez fastidieux, puisqu'il faut, discrétiser le processus, il faut ensuite calibrer très précisément les règles de construction dans le modèle de façon à reproduire à l'échelle locale les probabilités qu'on a mesurées expérimentalement. Et donc on a pu montrer que ces trois règles simples, je prélève, j'empile, et dès que le pilier atteint sa hauteur, à ce moment-là, donc je commence à empiler sur les côtés, eh bien on a pu montrer que ces trois règles simples conduisent effectivement à la formation de piliers régulièrement espacés, puis vous voyez ensuite de chapiteaux au-dessus de ces piliers dont la forme est assez similaire à celle qu'on observe dans les expériences. Et ce que vous avez ici, c'est un zoom sur une simulation du modèle. Les fourmis, ce sont ces petits cubes rouges là, qui se déplacent de manière aléatoire, qui prélèvent des boulettes de terre, qui ensuite, par hasard, donc la quantité de boulettes en un endroit est suffisamment élevée, donc ces zones deviennent des germes à partir desquelles les fourmis entassent des boulettes, construisent des piliers grâce au feedback positif qui est induit par la phéromone de construction. Et par la suite, quand la taille des piliers est suffisamment grande, bien les fourmis commencent à réaliser des dépôts en hauteur. Et vous voyez, cela augmente très rapidement la surface sur laquelle elles peuvent déposer de nouvelles boulettes. Et quand deux chapiteaux sont suffisamment proches l'un de l'autre, eh bien, ils peuvent fusionner, ce qui crée ensuite, au passage, une arche, un passage voûté, comme vous le voyez ici. Alors, si on regarde ensuite la forme des structures produites à plus grande échelle, eh bien, on voit qu'elles sont très similaires à celles qui étaient obtenues dans les expériences. Et en particulier, si on considère l'évolution du nombre de piliers construits au cours du temps par les fourmis et la distance moyenne entre les deux piliers voisins, eh bien on peut voir que le modèle là est capable de reproduire assez fidèlement le type de dynamique qu'on observe dans les expériences. Alors, ce que ce modèle nous permet également d'explorer, c'est l'impact de certains paramètres sur la croissance et la forme résultante des structures qui sont construites par les fourmis, puisque on va voir ces formes, finalement, vont être assez sensibles à ce qui se passe dans l'environnement, notamment à la température et à l'humidité. Et on peut, comme ça, par exemple, étudier l'impact de la vitesse d'évaporation de la phéromone, ou on peut également étudier l'impact de la distance moyenne parcourue par une fourmi entre le moment où elle prélève une boulette de terre et au moment où elle la dépose spontanément. Eh bien, ce qu'on constate quand on fait ce type d'étude d'une manière assez générale, c'est que bon, les structures produites sont assez similaires dans une certaine gamme de valeurs de paramètres. Vous avez ici les différentes formes qu'on obtient quand on fait varier à la fois le taux d'évaporation de la phéromone et ici la probabilité de déposer spontanément la boulette. Alors, si on regarde tout d'abord l'influence de la probabilité de dépôt spontané, eh bien, on peut voir que le nombre de piliers augmente quand cette probabilité de dépôt augmente. C'est tout simplement la conséquence de la diminution de la distance moyenne qui est parcourue par les fourmis avant qu'elles déposent spontanément la boulette qu'elles transportent. Et donc, plus cette probabilité est élevée, plus la distance parcourue avant dépôt est petite. Et si cette distance est inférieure à celle qui sépare deux piliers voisins, eh bien, les deux piliers vont pouvoir continuer à grandir. Dans le cas contraire, eh bien, on va avoir des échanges de matière qui vont se produire entre ces deux piliers, et toute petite fluctuation de densité de matière qui va apparaître sur un pilier va être amplifiée, et finalement, seul va survivre le pilier qui va réussir à grandir plus rapidement que l'autre. L'autre pilier sera finalement détruit. Et donc, c'est ce type de processus qui est à l'origine de la longueur d'onde que vous voyez ici émerger entre les piliers et les murs qui sont construits par les fourmis. Alors, si on regarde ensuite l'influence de la vitesse d'évaporation de la phéromone, donc qui va être sous la dépendance bien, tout simplement de la température, eh bien, on voit que le principal effet, c'est une diminution drastique du nombre de piliers. Vous voyez, quand la vitesse d'évaporation augmente, on a une diminution drastique du nombre de piliers qui est construit. Et une autre conséquence, vous voyez, de la diminution de la durée de vie de la phéromone, eh bien, c'est l'élargissement des chapiteaux au-dessus des piliers qui sont construits. Vous voyez que la forme de ces structures change, les chapiteaux s'aplatissent pour devenir de véritables plateaux, ici,
alors qu'ils ont une forme beaucoup plus globulaire ici, quand le taux d'évaporation est beaucoup plus faible. Alors le point intéressant ici, c'est que toutes ces structures qu'on voit apparaître dans le modèle, eh bien, elles reflètent assez fidèlement la diversité des formes qu'on a pu observer dans les expériences. En effet, les conditions de température et d'humidité font fortement influencer la durée de vie de la phéromone, ce qui explique pourquoi, dans certains cas, les fourmis construisent de très larges plateaux, ici, et dans d'autres cas, elles construisent un grand nombre de piliers assez fins. Et d'un point de vue fonctionnel, on voit que finalement, sans changer les règles de construction à l'échelle individuelle, les fourmis ont exactement les mêmes règles, les mêmes trois règles de prélèvement de boulettes, d'entassement de boulettes, puis ensuite d'élargissement latéral, eh bien, on obtient automatiquement un changement de la forme des structures construites. Donc quand la température augmente, eh bien, les fourmis vont construire des abris dont la forme est beaucoup plus appropriée pour les protéger. Cette adaptation de la forme n'est pas codée de manière explicite dans les règles de comportement des fourmis, ce qui nous montre, soit dit en passant, finalement, le rôle très très important qui est joué par la physique dans tous ces phénomènes collectifs. Alors maintenant, on peut encore aller un peu plus loin dans l'exploration des propriétés du modèle. Dans les expériences, on avait volontairement limité la quantité de matériel disponible, ce qui stoppait automatiquement le processus juste après les toutes premières étapes de construction du nid. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si on fournit une quantité de matériel beaucoup plus importante? Quel va être l'impact sur les formes qui vont être produites par ces fourmis? Eh bien, ce que le modèle nous montre, c'est que dans cette condition, on voit très rapidement apparaître un plafond qui résulte de la fusion progressive des chapiteaux. Et puis les fourmis vont ensuite construire par-dessus ce plafond de nouveaux piliers, de nouveaux murs, qui vont progressivement constituer de nouveaux étages dans la structure. Mais surtout, ce qui est très frappant, ce que vous voyez ici, c'est le remodelage permanent de la structure. La forme du nid reste globalement la même au cours du temps, mais on voit qu'elle est en permanence détruite et reconstruite, si bien qu'on a l'impression que toute la structure est parcourue par un train d'ondes qui correspondent en fait au déplacement progressif de l'ensemble des niveaux du sommet vers la base de la structure. Alors ça, c'est une simulation qui représente une activité sur plusieurs mois. Hein. C'est pour ça que finalement, quand on regarde un nid, on a l'impression de voir quelque chose qui est assez figé, mais finalement, c'est quelque chose qui est relativement dynamique. Et ce phénomène, eh bien, il résulte tout simplement du fait que les fourmis grignotent en permanence le sol sur lequel elles se déplacent. Et ce phénomène de remodelage, eh bien, est également assez proche de ce qu'on observe dans les expériences. Vous avez ici un gros plan sur une petite partie du dispositif expérimental. Et dans cette zone, vous voyez très clairement l'activité de remodelage incessante des fourmis. Les ouvrières détruisent certaines parties du nid et reconstruisent de nouvelles structures. Donc les nids qui sont construits par les fourmis, mais également par les termites, ne sont pas des structures figées. Ce sont des structures, au contraire, très dynamiques. Et on peut se poser la question de la fonctionnalité de ce type de comportement. Eh bien, on pense qu'ils vont jouer un rôle très important pour adapter la forme du nid, en particulier quand la taille de la population augmente et ou également quand les conditions environnementales vont changer. Et ces comportements vont également aussi permettre aux fourmis de construire des structures relativement complexe, notamment dans les zones de connexion entre les différents niveaux du nid, ce qu'on va voir maintenant. On observe en effet que dans ces zones de connexion que vous voyez ici, il y a une continuité entre le plancher d'un niveau et celui d'un autre niveau. Et quand on regarde un peu plus près ces connexions, eh bien on peut voir qu'elles ont une forme hélicoïdale et certaines de ces hélices traversent même l'ensemble de la structure. Alors c'est d'autant plus intéressant que ces rampes spiralées que vous voyez ici, que vous voyez se former ici dans la simulation, eh bien, ne sont pas codées explicitement dans le comportement des fourmis, dans les trois règles de comportement qui ont été implémentées dans le modèle. Et c'est aussi intéressant parce que ce sont exactement les mêmes structures que celles qu'on a pu observer aussi dans les nids de termites. Donc, vous voyez que ces processus d'auto-organisation permettent à une colonie de produire des structures complexes dont la forme également va pouvoir changer en fonction des conditions de l'environnement. Alors cet exemple, ce dernier exemple, illustre très clairement une des propriétés les plus intéressantes de ces processus d'auto-organisation chez les insectes sociaux, qui est de permettre l'émergence de propriétés nouvelles à l'échelle de la colonie, à partir de comportements individuels extrêmement simples.
Et ces propriétés qu'on va voir apparaître à l'échelle de la colonie vont ensuite bénéficier à tous les individus de la colonie. Et en particulier, les rampes hélicoïdales que vous avez vues se former, qu'on obtient dans les modèles, ne sont pas codées explicitement dans le comportement des fourmis. Elles résultent simplement de la dynamique complexe qui est produite par ces règles de construction et aussi par les contraintes physiques qui sont imposées par les structures sur le déplacement des fourmis. Alors, ce que ces processus d'auto-organisation permettent, c'est qu'ils vont permettre une réelle économie de codage des mécanismes qui, au niveau individuel, vont conditionner l'émergence de ces propriétés. Et toute la puissance de ces processus d'auto-organisation, c'est justement de pouvoir créer de la complexité tout en économisant la quantité d'informations qui doit être nécessaire de coder dans les gènes pour pouvoir produire cette complexité. Alors, il existe une autre famille de mécanismes qui sont également largement utilisés par les insectes sociaux pour organiser leur activité de construction. Et ces mécanismes reposent sur la notion, cette fois, de gabarit. Dans ce cas, le plan de la construction préexiste dans l'environnement sous la forme d'hétérogénéité. L'activité des insectes va finalement uniquement révéler ces structures préexistantes. Mais ici, les modifications qui vont être apportées par les insectes à l'environnement ne vont pas jouer de rôle particulier dans le déroulement et dans l'organisation de la construction, contrairement à ce qu'on avait vu dans la stigmergie. Alors, on a déjà vu un exemple de gabarit dans la construction du nid chez les fourmis, qui utilisent la taille de leur corps pour déterminer la position des boulettes qu'elles vont déposer sur les piliers. Et il existe différentes formes de gabarit. Il peut s'agir par exemple de gradients de température, d'humidité, qui existent naturellement dans l'environnement. Et ces gradients peuvent également être produits par les insectes eux-mêmes, qui vont émettre une phéromone qui va diffuser dans l'espace. C'est cette forme de gabarit qui est notamment impliquée dans la construction de la chambre royale chez les termites. La reine émet une phéromone, cette phéromone diffuse dans l'environnement. Elle crée une sorte de sphère de phéromone tout autour d'elle. Et il existe une fenêtre de concentration de cette phéromone ici qui va contrôler l'activité bâtisseuse des ouvriers. Si la concentration en phéromones qui est rencontrée par les insectes est comprise dans cette fenêtre, bien les ouvriers vont construire et ils vont détruire toutes les constructions qui préexistent lorsque la construction est supérieure à la concentration maximale ou inférieure à la concentration minimale. Alors vous avez ici une série de clichés qui ont été pris par Grasset dans les années 50 et qui montre comment s'effectue la construction de cette chambre royale chez un termite, le Macrothermes subialinus, je pense, en laboratoire. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a placé une reine de termites dans un cristallisoire avec de la terre. Donc vous voyez qu'au début, les termites construisent ces fameux petits piliers, puis ensuite des espaces entre les piliers sont progressivement comblés et des arches sont tendues au-dessus du corps de la reine qui finalement est complètement recouverte. Alors ce processus très simple va permettre d'adapter, de construire une loge qui va être à tout moment adaptée et ajustée à la taille de la reine. Et on voit en particulier que si le corps de la reine augmente de volume, fenêtre de concentration est déplacée vers la périphérie, l'ancienne chambre est détruite et une nouvelle chambre est construite à la place. Alors, comme c'est souvent le cas en biologie, comme je le mentionnais au début, les formes qui sont observées dans la nature résultent souvent de la combinaison de plusieurs types de mécanismes, et c'est en particulier ce qui se passe dans la construction du nid chez cette fourmi, Leptothorax albipennis, qui est une toute petite fourmi qui construit son nid dans des crevasses rocheuses, ici, de quelques millimètres d'épaisseur. La structure du nid, d'ailleurs, est relativement simple. Les fourmis agrègent leur couvain, ici, et puis ensuite, elles construisent tout autour, avec des grains de sable, un mur de forme circulaire, en ménageant quelques passages vers l'extérieur. Et cette structure résulte d'un couplage entre deux types de processus. Tout d'abord, un gabarit, qui résulte de la diffusion d'un signal chimique qui est émis par le couvain, donc qui est agrégé ici. Donc le couvain émet un signal chimique qui diffuse de manière homogène à partir du centre de l'agrégat et qui va contrôler la position des grains de sable
qui sont rapportées par les ouvrières. Donc c'est un mécanisme là qui est tout à fait similaire à celui qui intervenait dans la construction de la loge royale chez les termites. Et combiné à ce gabarit, on va retrouver un processus d'auto-organisation, puisque les comportements de dépôt de grains, de sable, dépendent là aussi de la densité locale de sable qui est perçue par les fourmis. Et vous voyez que la probabilité de dépôt donc, est maximale ici dans la fenêtre de concentration donc, qui maximise le dépôt, donc qui correspond à l'effet de gabarit, mais vous voyez qu'elle augmente également avec la taille de l'agrégat, donc la taille de la densité de sable qui est perçue localement par les fourmis. Et la combinaison de ces deux mécanismes que vous voyez ici, je vais repasser la vidéo, la combinaison de ces deux mécanismes a pour effet de concentrer les dépôts dans la zone au niveau de laquelle la concentration en phéromones maximise le dépôt, et l'amplification des dépôts de grains de sable, eh bien, elle favorise au contraire la formation d'agrégats qui rentrent en compétition et qui font apparaître la formation de passages dans le mur. Voilà, donc je vous ai parlé un petit peu donc, des grandes familles de mécanismes. Donc pour conclure, on peut tout d'abord dire que la complexité des architectures qui sont réalisées par les insectes sociaux ne repose pas sur des procédures comportementales ou cognitives extrêmement complexes. Vous avez vu qu'elle résulte essentiellement de l'application de règles de comportement somme toute assez simples, et également de la combinaison de quelques grandes familles de mécanismes. Donc la structure des nids n'est pas programmée de manière explicite à l'échelle individuelle, mais elle résulte d'un grand nombre d'interactions indirectes entre les individus. On a vu aussi qu'au cours de ces interactions indirectes, les insectes vont échanger de l'information, et ces informations vont permettre au groupe de construire des réponses qui dépassent très largement les capacités propres à chaque individu. On a vu aussi que les signaux qui sont échangés par ces insectes sont essentiellement activateurs ou inhibiteurs. Ils permettent, en particulier à la colonie, d'amplifier certaines informations, de réaliser des structures spatiales, comme par exemple les piliers régulièrement espacés. Et enfin, on a vu aussi que la modulation de ces règles de construction ou des propriétés physico-chimiques, des phéromones de construction par les conditions environnementales, permettent d'adapter la forme et le registre des structures qui sont produites par ces insectes. Voilà, je voudrais quand même vous remercier, remercier les personnes qui travaillent avec moi, notamment sur ces aspects d'architecture animale, donc qui ont été impliqués dans ces travaux, notamment donc Jacques Gautret, Christian Jost et Andrea Perna, et Anaïs Kuong, dans mon laboratoire à Toulouse, et puis aussi Pascal Kunz et Fabien Picarougne, qui sont des informaticiens qui travaillent à l'Université de Nantes et qui ont développé des outils de visualisation 3D, de navigation immersive, qu'on a beaucoup utilisé également dans ces travaux pour aller explorer l'architecture des nids de l'intérieur. Et pour finir, je voudrais vous présenter en fait les premières images d'un jeu éducatif sur les termites qui va sortir cet été et dans lequel mon équipe et moi-même avons été impliqués dans la conception. Et ce jeu va vous permettre d'explorer virtuellement une vraie termitière qu'on a scannée, qu'on a reproduit en 3D. Et vous pourrez d'abord découvrir l'intérieur de la termitière, vous balader dedans, également découvrir l'organisation de ces sociétés, puisque donc, tout ça va être basé exactement sur nos connaissances actuelles sur les comportements des termites. Donc là, pour le moment, les comportements ne sont pas encore très très bien implémentés. Les termites ont l'impression de se balader sur du coussin d'air, mais bon, les choses sont en train d'être amélioré. Et voilà, donc je vous remercie de votre attention. Maintenant, si vous avez des questions, je me ferai plaisir d'y répondre. Alors, je ne sais pas, il y a un chairman ou... Il y a un chairman, il y a quelqu'un qui dirige les débats ou... Non, vas-y. Merci de cette passionnante exposé. J'avoue ne pas avoir exactement compris comment ces insectes soit arrivent à cette extraordinaire complexité. Mais je me sers. Ah, c'est bien dommage. Dans votre explication, il n'a pas été question
ni de sélection naturelle, ni de transmission du savoir. Et c'est ça que j'aimerais vous demander, c'est est-ce que les mécanismes d'auto-construction que vous avez décrits sont tels que ces phénomènes de sélection naturelle, c'est-à-dire un échec dans la construction de quelque chose qui permet de conclure que ça n'est pas dans cette direction qu'il faut aller, et d'autre part, le problème de la transmission du savoir d'une génération à l'autre ne sont pas impliqués, ils ne sont pas nécessaires pour parvenir à ces résultats. Est-ce que c'est juste de dire cela ? Le problème de l'évolution, parce que c'est ce que vous posez, de l'évolution de la construction, c'est un problème extrêmement ouvert encore, qu'on n'aborde pas ici. C'est-à-dire ici, on aborde simplement les mécanismes, ici et maintenant. D'accord ? Le problème de l'évolution des règles de comportement et des signaux qui sont impliqués pour pouvoir aboutir à de la coordination, c'est un problème complètement ouvert, que les gens d'ailleurs qui travaillent sur l'évolution des comportements collectifs n'ont pas encore abordé. On n'a pas de modèle encore de ça. On s'intéresse surtout, les gens ont beaucoup travaillé sur l'apparentement, essayer de trouver des explications basées effectivement sur la proximité génétique. C'est une partie de l'histoire. Tous ces mécanismes, toutes ces propriétés qu'on voit apparaître et qui résultent des interactions, mais qui sont codées génétiquement, hein, d'une certaine façon, les interactions sont codées génétiquement, donc il y a bien de l'histoire qui est transmise de génération en génération. Mais ce n'est pas n'importe quel type d'interaction. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que ça, on a de la coopération ou de la coordination qu'avec certains types d'interactions. C'est-à-dire, je réponds à certains signaux d'une certaine façon, et c'est ce qui me permet de faire émerger cette coordination à l'échelle du groupe. Et toutes ces questions restent complètement ouvertes encore, en termes évolutifs. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de transmission. Ces règles qui permettent la construction, elles sont inscrites dans le patrimoine génétique. Mais il y a toute une partie, justement, qui résulte de la dynamique engendrée par ces règles, qui n'est pas inscrite dans le patrimoine génétique. Vous voyez ? Bon, ces questions, pour vous dire, ces questions, c'est complètement ouvert. Complètement ouvert. Oui. Vous avez mentionné le jeu éducatif. Pourriez-vous préciser comment faire pour se procurer ce jeu qui apparaîtra ? Eh bien, vous allez sur le site web, vous tapez Termitia, ouais, qui est le nom du jeu, et vous allez pouvoir le télécharger gratuitement, d'ailleurs, parce qu'en plus, c'est financé par Universcience et la Cité des sciences de l'industrie, et donc il n'y aura pas de droit. Une autre question ? Moi, je voulais juste poser une question. On avait discuté rapidement avant la conférence des différences d'implication d'un individu par rapport à l'autre, et vous avez constaté chez les fourmis qu'il y a des fourmis qui travaillent 30% de leur temps et le reste du temps se reposent. Et ça doit avoir une influence sur ces constructions, et vous avez aussi réussi à modifier cette implication dans le travail de chaque individu. Parce que là, on a l'impression que chaque individu fait son travail de la même façon. Ça ne va pas modifier fondamentalement l'architecture, ça va modifier la vitesse de construction avec laquelle l'architecture est construite. En fait, Cyril fait allusion à une autre étude qu'on a réalisée sur la division du travail. Effectivement, dans les sociétés de fourmis, tous les individus ne travaillent pas de la même manière. Il y a des individus qui sont spécialisés dans certains types de tâches. Et on a analysé l'implication, on va dire, la différenciation des individus en termes de niveau d'activité. Et quand on regarde ce qui se passe dans des petites colonies, donc environ une trentaine d'individus, on voit que tous les individus travaillent environ 30% de leur temps, ce que vous signaliez, et le reste du temps, ils passent le temps à ne rien faire. Et quand on augmente la taille de la colonie, en conservant bien sûr un volume de tâches proportionnel à la taille de la colonie, ce qui fait que chaque individu a statistiquement la même probabilité d'être incité à travailler que dans une petite colonie, eh bien on voit apparaître, à partir d'une taille critique, des individus qui travaillent énormément,
qui travaillent 75% de leur temps et qui vont également se spécialiser dans l'exécution d'un certain type de tâches. Ce faisant, ils vont monopoliser l'ensemble de l'activité et ils vont, du coup, inciter les autres individus à ne rien faire. Ce qui fait que dans des grandes colonies, on voit souvent un petit nombre d'individus hyperactifs et hyper spécialisés, et la grande majorité des autres individus sont, pour la majeure partie, au chômage. Donc ils ne font rien. Mais cette spécialisation ne va pas avoir d'impact sur la dynamique de la construction. C'est ce que je voudrais que... Non, pas du tout. Pas du tout. Mais vous voyez des échecs dans les constructions, des tentatives qui échouent, ou c'est un système qui est tellement bien... Alors ça, on l'a exploré de manière théorique. Ça répond un petit peu à votre question. Il n'existe qu'un tout petit nombre de jeux de règles de construction qui vont permettre d'avoir cette coordination. C'est-à-dire que, vous voyez, par jeu de règles de construction, j'identifie un signal dans mon environnement, une certaine configuration de matière, une certaine configuration de cellules, et donc, je vais être incité à construire quand je suis confronté à cette configuration. Mais il faut pouvoir enchaîner ces configurations pour pouvoir construire une structure. Eh bien, en fait, il n'existe qu'un tout petit nombre de règles, donc d'enchaînement, de stimulus-réponse, qui vont permettre au groupe de pouvoir coordonner leurs actions. Et donc, effectivement, il faut que l'évolution trouve ça. Il faut que l'évolution trouve ces jeux de règles. C'est ce qu'on a fait de manière artificielle, on a fait de l'évolution artificielle, et effectivement, la plupart du temps, on tombe sur des jeux de règles qui produisent des formes qui ne produisent rien, en fait. C'est-à-dire que les insectes n'arrivent pas à coordonner leurs activités. Et puis, par hasard, certains jeux de règles donnent naissance à de la coordination, et du coup, le groupe va pouvoir construire un nid collectivement. Donc ça, c'est vraiment une question fondamentale, je veux dire... Oui. J'aimerais demander l'action des phéromones sur les individus, est-ce qu'elle est comparable à l'action des endomorphines chez les humains, par exemple? Est-ce que c'est une récompense que la phéromone donne à l'individu? C'est un signal. C'est un signal. Chez les humains aussi, on a des phéromones et on réagit à certaines phéromones. On est plus ou moins attiré par certaines personnes parce qu'on a une accointance particulière pour certains types de signaux chimiques. Par exemple, il faut pas voir les choses aussi loin. Hein. C'est simplement un signal qui va déclencher un comportement. Il n'y a pas de récompense. Déjà, il n'y a pas de circuit de plaisir chez les fourmis, donc on a du mal à avoir de la récompense. Le cerveau est relativement simple, hein. C'est 100 000 neurones. Hein. Ouais. On n'a pas la complexité, le type de structure, le type de sophistication qu'on a chez l'homme et chez les vertébrés. Il y a une question là. Oui, je me demandais si les processus que vous avez décrits amènent automatiquement des géométries fractales et constructales intrinsèques ou non, c'est complètement aléatoire, il n'y a pas de symétrie. Non, c'est pas du tout aléatoire, au contraire. Mais c'est pas pour ça que c'est fractal. La construction fractale, c'est une certaine forme de croissance bien, bien spécifique, mais qu'on ne trouve pas particulièrement chez les insectes sociaux. Et une question là-bas au fond. La déclivité des rampes, c'est assez élevé, mais ce qu'il faut voir, c'est que les termites et les insectes sociaux, de manière générale, naviguent dans un univers physique qui est très très différent du nôtre. Ils ne sont pas soumis au même enfin, la gravité n'a pas la même intensité qu'est là à notre échelle. Et donc, ils peuvent effectivement gravir très facilement des pentes très très élevées. Je veux juste revenir sur la notion d'échec. Admettons qu'une termitière soit insuffisante, non ou pas assez performante sur le plan climatique, ou sur le plan de la défense contre les prédateurs. Donc, elle va mourir, s'il en existe.
Est-ce qu'à ce moment-là, les comportements qui ont conduit à cette conception, à cette mauvaise conception, mauvaise construction, vont être stoppés dans le processus de reproduction de l'espèce? Par définition, on peut parler de ça comme ça, Mais par définition, je veux dire, si une espèce construit un nid qui finalement s'avère ne pas répondre à des contraintes du type de celles que vous mentionnez, forcément, ça va conduire à une impasse. Et donc, du coup, les comportements ne vont plus pouvoir se transmettre. Il y a une sélection. Mais bien sûr qu'il y a une sélection. Mais ce que je veux vous dire, c'est que la complexité, les propriétés qu'on voit apparaître à l'échelle de la colonie, effectivement, résultent de processus de comportementaux, mais il y a aussi toute une part de la physique derrière. C'est cette part de la physique, c'est pour ça qu'on arrive à avoir ces formes extrêmement, extrêmement sophistiquées, qui n'est pas codée à l'échelle de l'individu. Mais pourtant, comment dire, les propriétés qu'on voit émerger à l'échelle de la colonie ont un impact sur les capacités de survie à l'échelle de l'individu. Mais tout n'est pas codé à l'échelle dans le comportement. C'est ça qui est intéressant. C'est que les insectes utilisent quand même la physique, toute la dynamique derrière. Et c'est quelque chose d'assez assez intéressant, je trouve. Alors, en fait, derrière, il y a tout c'est un serious game. Et donc, il y aura une mission à accomplir, retrouver des gens perdus dans une termitière. Donc, il y a un processus de réduction de taille, etc. Mais l'idée est de donner aux personnes qui vont s'immerger dans le jeu des informations scientifiques, à la fois sur l'architecture. Donc on va pouvoir explorer différents types de... On va pouvoir comprendre un peu mieux les comportements de construction, mais vraiment explorer une vraie architecture. On sera dans le jeu, mais en même temps, on va prendre conscience un petit peu de ce qu'est une vraie architecture de termites. Voilà. Bon, l'éventail, c'est quoi? C'est 12... à partir de 12 ans. Ouais, jusqu'à... Voilà. Une dernière question. Est-ce qu'on sait, quand on regarde l'histoire de l'évolution, à quel moment ces comportements sont apparus? Les insectes sociaux, c'est 100 millions d'années. Enfin, les premiers insectes, on va dire. Donc, c'est dans les 100 derniers millions d'années qui nous précèdent que sont apparus ces comportements collectifs. Et nous, on est apparus aussi comme des animaux sociaux. Les insectes sociaux ne se sont jamais individualisés comme nous. C'est-à-dire ? Les insectes sociaux, ils ont enfin développé un cerveau comme le nôtre qui est resté complètement séparé des autres espèces. Le problème des insectes sociaux, c'est qu'ils n'ont pas la possibilité de développer des cerveaux aussi élaborés que le nôtre, parce que déjà, il y a un problème, c'est qu'ils ont un exosquelette. Donc la gravité fait que, de toute façon, on ne peut pas construire des organismes, parce que sinon ça va s'effondrer sous son propre poids, quoi. Et donc, du coup, ça a vraiment limité le développement des capacités... des capacités cognitives de ces insectes. Même si certaines espèces primitives, on a quand même des capacités relativement importantes. Mais ce qui est quand même intéressant à constater, c'est que plus la taille des colonies augmente, plus les capacités cognitives des insectes diminuent. C'est-à-dire plus on réduit la capacité à pouvoir percevoir des choses. Les insectes généralement sont aveugles. Ils ont un registre comportemental de plus en plus limité, comme si finalement, en augmentant la taille, en augmentant les communications, forcément, on réduisait la richesse des échanges qu'on peut avoir et la façon dont on appréhende le monde. Bon, c'est à réfléchir. Je vous remercie beaucoup. Vos recherches, on a vu, ont été très utiles dans la téléphonie mobile. On espère qu'elles vont être aussi perméables dans l'architecture. J'espère. J'espère qu'on pourra lire votre ouvrage bientôt. Merci beaucoup. D'accord, merci à vous. Merci.